Mais t'as pas eu. Ça va? Oh. Élise, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On est coincé dans la nature. Je suis tellement dépitée. Ah, j'en peux plus. Moi, j'étais tranquille au taf là. Je vais rester boire un coup avec Chloé. Non, je me dépêche. Je vais chercher la voiture chez Mario pour aller sauver les autres débiles. J'ai décidé de camper. Non, un week-end. Non, mais surtout un week-end où il y a une tempête. Une tempête. Genre. Et la voiture là, elle ne démarre plus. Ouais. Quel enfer. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. Moi aussi, je suis débile, j'ai laissé les phares allumés. Ouais, mais bon, c'est une erreur qu'on fait tous. Du coup, on va. Bah, il est 2h du matin, mais. On va quand même essayer de chercher quelqu'un. Il est encore plus sexy. Mais bah ouais, mais tu deviens un. Non, je te jure, il est là, il a la petite mèche. Non, t'inquiète bébé, y'a rien. Avec son truc déchiré là, sur les yeux. Non, t'inquiète bébé, y'a rien. Et en fait, je suis battue contre la place entière. Tu me pues de la pâte. Oui, bah tu peux dire que je pue aussi. Ils sont tellement amoureux. Oui. Mon amour numéro 1 de toute la vie. Oh, okay. Oh, ouais, alors par contre on voit rien du tout en fait. C'est ton soleil? Ouais. Mais on n'était pas là non avec la porte. Je peux prendre ta petite serviette de main? Oui. Ah non, mais t'inquiète, je vais le faire à l'éponge, sinon ça va coller. Ouvre, s'il te plaît. J'avais presque le même, mais moi, les enceintes là, c'était là. Pas que je sois enceinte. Mais les gars, je crois en fait, c'est pas du tout des œufs, je crois, elle a un big moucheron dans la bouche. Mais non, mais c'est pas bon. Mais tu vises trop bas. Ok, vas-y, c'est moi. Ça s'accroche là. Non, mais... toujours pas. Tu vas le bouffer. Oh. Bah super. J'ai vraiment faim. Attends, quoi? C'est comme ça. C'est la Barbie folle. En vrai, elle a trop difficile la Barbie folle. Elle a exactement la même coupe que toi. La Barbie folle! Tu n'as pas vu à quoi elle ressemblait la Barbie folle? Plus grande. Zoom sur eux. Zach, le Patrick. Et la vie sans ah. Oui, oui. Ah, il est bien. Maybe, I don't know. Mais attends, faut mettre. C'est quand le refrain? Non, in Marseille, there are lots of strikes. Sometimes sports strikes. Comment ça strikes? Les manifestations. Je veux pas présenter ça. Hein. Léa. Mais je veux pas présenter ça, Chloé. On peut pas leur dire. On dirait que t'es vraiment dans comment s'appelle là? Dans un dîner presque parfait. Je peux pas présenter ça, ça va pas. Il faut que je trouve. Mais regarde, c'est censé être liquide. C'est pas très liquide. Les gens ils s'éclatent plus sur cette chanson que sur n'importe quelle chanson. C'est Kurt Cobain, mais il a cité quoi. Ouais, quand même. Là. Kenji, c'est Florent Pagny, mais il a cité par exemple. Il pleure. Il pleure, alors c'est ça, pour toi. J'ai dit que rien ne pourra
Il est pas fort, hein. Il sait pas parler. Mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ethan ? Oui ? Ton état avant partiel ? Avant partiel, c'est un exposé. Mes aisselles sont déjà... C'est juste des cheveux, c'est pas le stress. Je vais faire mon monologue, donc petit exposé. Ça va tuer ? Non, ça va pas du tout tuer. Ça va nous tuer, à la limite. Attends, il faut que je regarde. Regarde tout, c'est mon moment diapo. Oh, moment diapo. Attends, t'as marqué Sieng ? État d'avant partiel, d'avant exposé. Panique. Tous les oiseaux. Faut juste qu'on vous raconte comment on s'est fait. Comment on a pêché le vigile. Ouais. Alors donc. On s'avait dégagé de la fac première. Parce qu'en gros, de base, on a fini les cours à 20h, sauf qu'il y avait des exposés, donc ça a duré longtemps. Et donc, on a fini les exposés vers genre 20h40. 20h40. Et c'est pas on sort et il y a le vigile qui vient nous voir qui nous dit. Ouais, les filles, vous êtes les dernières. On lui dit bah non. Il y a encore plein de gens dans la classe. Et là, il nous dit ah, mais moi je vais fermer à 30. Oui, parce qu'en gros, nous on commençait à partir. Et il nous dit ah non, là c'est j'ai fermé. Et il nous dit bah la fac elle ferme à 20h30. Donc moi j'ai fermé. Déjà que j'ai réouvert, refermé oui. Pour notre classe. Parce qu'on partait un petit au compte-gouttes. Exactement. Voilà. Et bah du coup là il nous dit ah mais c'est fermé, bon attendez. Donc là donc, il est allé dans la salle, ouais. Il attendait genre il a fait bloup. Que le prof genre mode sur genre juste ouais, lui accorde. Il avait pas vu genre mode qu'il y avait le vigile, du coup il continuait genre en mode super bon prof dans son truc, tu vois, il était focus. Et du coup on a attendu longtemps avant qu'il se retourne. Oui. Même le vigile il était en mode donc, bon, est-ce que je suis pas assez vieux. Vous êtes sûr il est là, genre il est là. Et du coup, bah, une fois qu'il s'est retourné, bon, il dit clairement sors, c'est sinon je te soulève. Non, dégage. Coup, non, mais en gros, il nous dit ouais, faut prendre les trams. Alors, ok, ça va pas être logique de vous faire passer par là, ça va être plus long. Il est trop mignon, il veut nous genre raccourcir le trajet quand même, c'est sympa. C'est vrai que c'est gentil. Trop mignon. On aurait pu faire tout le tour de la fac. Il nous a dit tout droit, à droite, faut prendre l'escalier, oui. Puis après, c'est à gauche, et après, faut tourner trois fois sur nous-mêmes, et après, faut faire du couche-pattes. Et des pompes entre temps. Ouais, et des squats. Moi je lui ai dit voilà, mais non, qu'est-ce qu'il y a ? Et il s'est foutu de ma gueule. Et du coup, il nous a accompagnés. Du coup, il nous a accompagnés. Et trop mimi. Moi je lui ai dit la prochaine fois, pense à mettre des petits lampions, genre un mode ouais, comme des petits comme l'avion. Ouais. Bah, pour moi, dire la direction. Avec des petites flèches. Je sais. Et du coup, bah, on était là, genre avec le vigile derrière, Ouna. Et on parlait. On avait notre classe, il y avait le prof. On, voilà. On avait mis l'impression d'être des VIP un peu ou des otages. Voilà. Des otages qui se faisaient exploiter. C'est trop tard pour ça. Extirper. Oui, extirper d'une embuscade. Un peu beaucoup. Voilà. Bon, bref, on était en plein mission commando pour sortir. Voilà. Et du coup, c'était vachement drôle. Et on l'a dit, on l'a fait à Titan. On peut rester dormir ici de toute façon. Hein, on a cours demain, comme ça nous éviterait d'être en retard. Et il était en mode bah oui. Et il a dit, ouais, de toute façon, on a mangé. Et du coup, il avait l'air super sympa de la vérité. À ça, de postuler, de prendre un petit billet avec lui. Franchement,
commentaire. C'est une catastrophe. Niveau 5. Donc c'est bon. Là, on a failli mourir. Il est 20h50. Est-ce que c'est une heure pour sortir de cours? Non. Il y a un mec qui nous fait ça. C'est un peu jaloux. Bah vraiment, en face de nous, tu vois. Mais moi je pense qu'il ne se fixe pas, je pense juste qu'il est défoncé. Ah bah non, tout à l'heure il rigolait. Voilà. Il faut être un petit peu du temps, plus de l'aide de la classe, parce que personne ne fait rire en fait. Bon, s'il n'y avait pas nous, la vérité, on s'ennuierait, on serait chez deux fous. Non mais là, ce serait chiant. Oh là là. Enfin bref, tout ça pour vous dire. À stade demander une petite clope à nos pauvres derrière. Et je me suis dit bon. Mais c'est tout ça qui a récupéré dans son sac. Ouais. Mais c'est ça qui est adulte. J'arrête. La passe perdue. Il va se dire avec quoi on pense stade, on pense directement. Le fumeur, le BG, blablabla. Le BG fumeur, là, il s'est dit chelon, ça dit doigt. Petit bonnet. Oh là là, papa. Il me regarde, il me dit qu'il se regarde aussi. Genre Godzilla. C'est quoi? Ah non. Bah c'est toujours Godzilla. Ouais, Godzilla, là par exemple. Il y a les pattes du chat. Là il y a quoi? Home Alone. Home Alone. Home Alone. Là il y a le petit chat derrière. Le gros chat. Le gros chat. Là on a quoi? John Wick. John Wick avec le chat. Et on a quoi? Oh, Lord of the Rings, bien sûr. Seigneur des Anneaux avec le gros chat. J'aurais pas... Ha ha ha, il a rendu donc ça, Ethan. Non, je dis là, ça nous a vraiment fait rire. Tu le verras dans le prochain plan. On a fait une réaction en direct. Ouais. Et en même temps, il y a un mec qui nous fixe. Mais... Ouais. Non, il ne nous fixe plus maintenant. Ah, c'est vrai, il a les yeux fermés. Il dort. C'est genre tout le fait de pourquoi vouloir paraître riche. Coucou Naïma. Une petite citrouille. Tu es trop belle, t'es toute petite. Et quoi? Le gros écho. Monsieur qui? Monsieur qui? Monsieur qui? Monsieur qui? Hein? Oh là là, tu sens bon de la bouche. Ouf. Wow, ah ouais, carrément ouf. Wow. Mais ça va pas. C'est ça le bonheur. Un petit chat, un petit chien, copain. Voilà. C'est parti, on a fêté tes 7 mois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah non, là c'est un trou. Ah là tu tombes. Voilà, ça c'est un peu ma conception de la mode. Je me permets. Hein. Félix en serait jaloux. Mais je sais que Félix il travaille dans tout ce qui est mode, donc Félix, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'appelle ça un petit peu la cuvette de chiottes. Voilà.
toujours le principe, tu vois, là, tu vois, c'est moelleux, il y a un repas pour s'appuyer. Et en même temps, hop, ça se commence. Bah, comme une tulette en fait. Hein. À Noël, quand tu descendras du ciel, avec les jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est emprunté, mais surtout assez, justement, dans la gestuelle, très. Très bourgeois en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dis-moi où es-tu ce soir. 4, 3, 2, 1, 0, puis toi, tu ne viens jamais plus me voir. 1, 2, 3, 7, fois je perds la tête. Mes draps sont nus quand t'es pas là. 15-20 puissants. Les ghettos. Les gens gays. Les ghettos. Les ghettos. Bisous les ghettos. Bisous les ghettos.